Vinken en Van Tricht hebben een missie. Ze willen aantonen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze kaasmakers in België en Frankrijk. In het hartje van de Bourgogne proeven Vinken en Van Tricht Brillat-Savarin met Bon Oude Geuze. Ah, daar staan ze al. Dat is alles op te wachten binnen. Kom op, dan goed. Bien, monsieur Michel. Ça va? Bonjour, monsieur Ben. Bonjour. On est en Bourgogne. Eh oui. Il y a des bons fromages ici? Il y a des très bons fromages. Et des bons vins. Oui, oui. Als we zo gaan beginnen, dan gaan we het kwaad krijgen. Nous avons des bonnes bières en Belgique. Ah, tout oui, à fait. Oui, on va voir ce qui va gagner. Een beetje oppassen. Dat ben Brillat Savarin. Je ziet de vormen. Ja, dat noemt men dus de moulage. Moulage à la louche. Dus met de pollepel wordt dat in de vormen gedaan. Ça reste combien de temps dans cette forme? Donc une fois moulé, le fromage va s'égoutter 48 heures. Oui. Et à moitié du temps d'égouttage, à 24 heures, on va faire un retournement. Un retournement complet du plateau pour bien former les deux faces du fromage. Oui. 75% de matière grasse. Alors en fait, il y a 72% de matière grasse sur le gras, de gras sur sec, comme on dit. Ouais. Et sur le produit fini, 40%. 40% de matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Daar gaan we niet van vermageren, denk ik. Daar krijg je de buikspieren van. Daar gaan we niet van vermageren. Nou, Ben. Wat anders dan kaasjes laten rijpen, hè? Jongen, het harde werk. Dat doe ik graag, Ben. Dat doe ik graag, jongen. Dat is een passie, hè? Pour faire un Brillat Savarin, il faut 2 litres de lait à 110 grammes de matière grasse par litre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un fromage triple crème, c'est-à-dire qu'on triple la dose de crème dans le lait. Hier, Ben. Hier liggen ze te rijpen. Kijk eens al, jongen. Wow. Dat is, ja, mooie kaas, hè? Mooie kaas. En lekker, Ben. Dat gaan we direct te weten komen. Lekker, lekker. On va proeven, hè. Déguster, hè. Ah oui, mais un peu plus affiné que ça, quand même. D'accord. Ja, Michel, hier zo midden in de Bourgogne, in de wijnvelden van Clos Vougeot, op de achtergrond. Hier gaan we het niet gemakkelijk hebben. Monsieur André, c'est votre fromage? Et votre vin, je suppose? Et voilà, notre bière. Rood is inderdaad niet evident, maar zo'n Pinot Noir. Ja. Het past. Het past er wel bij. Het past. Monsieur Delain, qu'est-ce que vous trouvez de l'idée même de combiner un fromage comme le vôtre avec une bière? C'est tout à fait normal. C'est normal. Parce que la bière est très bonne aussi chez vous. Voilà, et vous avez l'honneur de prendre le premier verre. Voilà. Je vous remercie. S'il vous plaît. Met het beetje het zurige van die geus, dat perst zeer goed, vind ik. Zeer goed. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Delain? Avec ce fromage, c'est sublime. Nous en demandons. Dat zure, hè, dat acide van die geuzen, en dat snijdt gewoon door het vet van die kaas. C'est une très belle combinaison, mais je dois avouer que le vin d'ici, de Bourgogne, c'est aussi bon. Donc on peut clôturer l'affaire avec match nul. Voilà. Cheers. Monsieur Delain, cheers. Ben. Santé. Volgende week combineren Vinken en Van Tricht hervekaas met het nieuwe bier Palmhopper.